Donc je voudrais remercier chaleureusement tous les participants au panel et je remercie aussi Rina Matlouf qui a accepté de modérer ce panel. Quels sont, d'après vous, dans vos organisations, dans vos structures, et se basant aussi sur votre longue expérience, quelles seraient les compétences d'aujourd'hui et de demain sur lesquelles nous devons travailler et sur lesquelles nous devons peut-être renforcer ou bien modifier? Nous parlons de révolution technologique, mais nous parlons aussi de révolution des compétences. C'est le process de recrutement lui-même qui est touché par cette révolution technologique, dans le sens où le recrutement lui-même va être un recrutement, devrait être un recrutement 2.0. C'est-à-dire, même le recruteur, ses compétences vont évoluer, puisque les étapes préliminaires du recrutement classique, entre guillemets, à savoir tout ce qui est tri de CV, tout ce qui est rédaction d'entretien de recrutement, tout ce qui est ouverture de courrier, ça, c'est un peu révolu. Les compétences recherchées il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça a été bien plus loin. Les valeurs, les soft skills, le travail en équipe, donc ça, je pense que ça va rester une constante éternelle. Et puis de temps en temps, des vagues, dans les années 90, ensuite dans les années 2000, par 2010, 2020, les chiffres, et ainsi de suite, à chaque fois il va y avoir des nouvelles technologiques et des nouvelles compétences technologiques demandées. Une étude faite par Dane dit que 85% des métiers du futur ne sont pas connus à l'horizon de 2030. Donc personne ne pourrait prédire c'est quoi les tendances. Donc il faut apprendre à pouvoir apprendre. Donc c'est la capacité d'apprentissage qui est très nécessaire pour nous. Et moi personnellement, en tant que DRH aujourd'hui des listes, j'ai détecté 2-3 profils et il m'a informé. Quand même ma collaboratrice, tout ce qui est là, mon coach, allez, recevez maintenant, si recevez, rien à postuler, trop débile, ou tenu, qu'il faut se rater le corps. C'est important. Fibule comme t'as fou sur la photo, je dis, comme la chance de votre vie. Mais t'as quelque chose, je t'ai pas rencontré quand je dis, d'ailleurs, je t'ai pas trouvé, un différent, je dis. Je veux des entrepreneurs. Il faut entreprendre pour faire avancer. Et le monde est en train de changer encore une fois. Réfléchissez en mode disruptive. Faites-le. Même prenez des vacances. Allez out of the box. Réfléchissez autrement. Voilà ce que j'ai dit, je dis, je redirai et je le redirai.